Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astréno. On se retrouve pour continuer notre petite aventure et démarrer le chapitre 8. Il y a une très belle équipe dans ce train. Franchement, la Légion se porte bien. C'est parti, voyons voir ce qu'on nous propose. On va les belles ciné encore, excellent. Rozkazy, majore, nařídili nám zastavit na nádraží v Karimskoje a setkat se s jedním z architektů naší nové republiky. S panem Perglerem, diplomatem. Má pro nás balíček, který máme odvést domů. Hádám, že to musí být důležité, ačkoliv samozřejmě nemáme tušení, co v něm je. Naši vůdci nás opět nechávají tápat, ale trvají na tom, že na nás bude čekat loď. Po výměně s Perglerem se každopádně budeme muset rozhodnout. Slyšel jsem zvěsti o tom, že v den, kdy byla založena naše republika, jsme se stali nepřijatelnou hrozbou pro rudé i bílé. Což je absurdní. Máme umrznout na tomto bohem zapomenutém místě, jen abychom se pletli do záležitostí Ruska? Není snad jasné, že bojujeme proto, abychom se vrátili domů, k rodinám? No nic, dost politiky. Mapa ukazuje rozcestí vedoucí na sever a na jih. Tady. Upřímně očekávám, že v obou směrech narazíme na problémy. Možná budeme muset dokonce začít dávat zásoby na příděl. Zásob máme už tak málo a není pravděpodobné, že bychom tady našli další. Tohle místo je chladnější než hrob. Mám dovolení se vzdálit, majore? Musím se o něco postarat. Děkuju. Ah, les cinématiques sont vraiment excellentes. Je trouve que le truc vraiment filmé et tout, c'est vraiment trop bien. Après, clairement, je sais pas si c'est parce qu'on a particulièrement bien géré et on est censé être dans la merde à ce moment de la campagne ou pas, mais on n'est pas du tout dans la situation critique qu'il nous décrit. Hein. Là, je pense qu'on est même plutôt très très bien, quoi. Je sais pas trop ce qu'on va trouver sur cette map, on va regarder, mais à mon avis, bon, pour l'instant on peut pas aller voir plus loin que ça. Ah oui, parce qu'il y a la jonction est là en fait. Faudra qu'on décide ici. Mais on est franchement pas dans le mal. Hein. Alors, on a un dépôt marchand du carburant, ok. Une nouvelle locomotive. Voilà, ça c'est ce qu'on avait, la chien de chasse, la taureau. Celle qui peut porter le plus de wagons de toute façon, on va pas prendre une chien de chasse, pas d'intérêt. Est-ce qu'on se sépare d'un de nos wagons pour un wagon de stockage? Franchement. Non. Chobiti dit non et j'aurais tendance à suivre son avis. C'est combien un wagon en termes de stockage là, le wagon C'est 16 000 le wagon de stockage parce qu'on l'a amélioré au maximum. Donc on passerait à quand même à 6, 30, à 40 000 de stockage. Au lieu de 24 000. Mais je pense pas qu'on ait besoin de 40 000 de stockage. On peut faire en flirtant avec les trucs qu'on trouve et quitte à en jeter. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Lui, il avait du carburant. On s'en fout. En route. C'est parti. On va s'arrêter à Zimbara. Juste avant la ville, là. Karimskoy. Il s'est passé quelque chose. Ok, très bien. Le train s'arrête brutalement, rompant avec la quiétude du paysage enneigé. Vous partez voir ce qu'il passe. Le capitaine Langer vous accompagne. Vous trouvez un groupe de soldats blancs dehors, mais aucune trace d'officier. Vous ne voyez que quelques officiers subalternes qui vous sourient d'un air là. Votre conseiller va leur parler. La conversation s'anime rapidement, le ton monte. Vous êtes sur le point d'intervenir lorsque votre conseiller fait demi-tour et s'éloigne. Son action est suivie d'une volée d'insultes et de mouvements de colère, mais il les ignore et vous fixe d'un air furieux. Major, nous avons un problème. Le commandant de ses hommes vient d'être capturé, peut-être même tué, et comme vous pouvez le voir, les blancs accordent des promotions sur le champ de bataille à n'importe qui. Ils voulaient capturer une colline tenue par les rouges et ont échoué lamentablement. Leur unité est maintenant coincée derrière un pont cassé. Ils sont prêts à traverser la rivière glacée à pied plutôt que d'abandonner. Les blancs ne sont pas très nombreux, mais ils sont trop confiants. Je me suis renseigné sur leur stratégie et autant dire qu'elle ne m'a pas convaincu. Il est évident que la situation agace votre conseiller qui semble plus indigné que d'habitude. Il commence à craquer, le pauvre Langer. Hein. À peine descendus des genoux de leur mère, ils ont déjà un fusil dans les mains. Il suffit d'une pression sur la gâchette pour provoquer un bain de sang.
Ce sont des enfants en colère, poussés dans une guerre par une réalité qu'ils ne comprennent pas. Langer a l'air fatigué, il a le souffle court, à chaque expiration, son souffle forme un petit nuage. Non, non, je refuse, nous devrions peut-être les aider à conquérir la colline. Ils n'auront aucune chance face aux rouges sans notre aide, ou plutôt sans notre expérience. Peut-on leur faire confiance? Le conseiller marmonne quelque chose, il sourit d'un air triste. La confiance est un luxe que nous n'avons plus, mais d'après ce qu'a dit le soldat, il préfère mourir plutôt que de renoncer à prendre la colline. Et puis c'est sans doute la dernière fois que nous ferons preuve de générosité envers les Blancs. Il remarque enfin son manque de professionnalisme et se redresse. Formons une escouade, Major. Ok, cette fois on n'a pas le choix, c'est vraiment le truc principal. Très bien. Alors ça c'est notre petite escouade de cambrioleurs. On va construire autour de celle-là. Donc plutôt 8 personnes. Alors on a quoi? On a Maximilien en éclaireur, un fusilier, deux éclairants level 5. Ok, donc comme ça on est bien. Alfred, t'es plus malade. Tu vas continuer ton travail de mitrailleur. T'avais plutôt fait le taf. Il va nous falloir un grenadier, un autre fusilier, ce serait bien. On a déjà deux comme ça. Un autre mitrailleur, ça nous avait bien aidé quand même, deux mitrailleurs. Est-ce qu'on pourrait pas reprendre Stéphane K? Allez, hop, Stéphane K vient. On est 8 là. Deux éclaireurs en plus, level 5, très très bon, très très bonne équipe. Du mitrailleur expérimenté, on a deux fusiliers. Un médecin, un grenadier, ça va le faire. On va prendre ici les petites compétences. Ça et ça, ça me va. Est-ce que la diversion est réellement utile? Oui, de toute façon, je mettrai pas le... J'utiliserai pas l'autre truc. Alors, niveau équipement, toi, il te faut mieux que ça. Alors, faut arrêter de déconner. Toi, tu es sur du rang 2, on n'a pas mieux. Là, on est sur du rang 3. Rang 2, c'est bon. Rang 3, rang 3. Rang 2 et rang 2, on est bien. On a des mines, un petit peu. On pourrait en prendre un peu plus. Voilà, 2, ça... Ouais, les 3, on va pas s'emmerder. Même 4. Allez, on prend les stocks, les grenades, on est au max. C'est parti. Voyons voir si avec notre frappe d'artillerie, on peut nettoyer cette colline. Je doute pas trop. Bílí se snaží přepadnout nedaleký tábor rudých. Bez úspěchu. Trčí na druhé straně řeky. Opravíme ten most. Až dorazí, vyhodnotíme situaci. Ok, on peut préparer une embuscade, pas de soucis. Jdu do krytu. Poslouchám. Toi tu viens là. Čekám. Toi tu viens là. Připraven. Viens ici. Est-ce qu'on est à portée pour un petit tir? On est à portée pour un petit tir. Ok, on va monter les mitrailleuses. Et on va se préparer à les dépouiller, les pauvres, ça me fait mal pour eux. Il y a du renfort qui arrive, franchement, ça m'inquiète pas plus que ça. Allez tout le monde, ah non, c'est à toi derrière là qui sert à rien. Et donc par là, tout le monde sort de son mode là. Ça c'est fait. Je suis là pour glander, hein. Notre république nous attend. Alors on peut aller par là. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Acheter un œil pour être sûr de rien nous avoir dans le dos directement. Tant qu'à faire. Ça fait une très grosse zone dans sur nos arrières, je trouve. Hein. Ou alors, on va leur réparer le pont. Ils sont peut-être de ce côté-là. On va réparer le pont et ça va se déployer par là, peut-être. Bon, on va se préparer, du coup, à une potentielle contre-attaque de ce côté. Oh là, d'ailleurs, parce que... Ouais, vu qu'ils étaient tournés par là, j'imagine que ça doit plutôt être de ce côté-là, notre potentiel défensif. On va prendre... Un mitrailleur ici.
déploie. Rozkládám. Vaše rozkazy, pane. Zaujímám pozici. Je voudrais un fusilier. Skryjem sa. Là. Připraven. Toi ici. Skryjem sa. Ici, toi tu vas t'occuper de réparer. Vaše plány, pane. T'as pas d'endroit où te mettre, c'est embêtant. Viens donc te mettre par là. Zaujímám pozici. Poslouchám. Našla jsem opravářskou sadu. Vas-y, répare. Là, on va déployer la deuxième mitrailleuse. En cas de besoin. Ano. Ano, donc, les mecs ne vont pas nous charger dans le dos. Attends, mais pourquoi j'ai perdu les hommes, là? Ah non, j'avais pas dû faire gaffe qu'il m'en avait donné. Ok, tant pour moi. Pojďme na tu vyhlídkovou věž na kopci, ať můžeme naplánovat útok. Et faisons ça. Rozumím. Faisons ça, faisons ça. Už jdu. Première vue avec une automitrailleuse, ça devrait être relativement jouable. Ano. Éclaireur. Podívám se. Sur cette tour de guet. Rien du tout. Vaše rozkazy, pane. Rozumím. Niveau couverture, c'est pas ouf. Dle rozkazu. Snažili jsme se ten tábor zabrat, ale nepodařilo se. Při posledním útoku rudi zajali našeho kapitána. Odvedli ho do nějakého skladu za táborem. Zachraňte ho, prosím. Rudi vás nebudou čekat. La vache. Ah oui, là, ici. Ah oui, ok. Très très bien. Ano, už jdu. Alors là, on est effectivement peut-être un petit peu surclassé pour le moment. Bon, on peut les artiller, hein, mais... Ça risque d'être coûteux. Ano, pane. Alors, on va se remettre en mode discret, se planquer là-dedans pour faire un point. Donc, eux nous voient de préférence. Toi, t'es pas caché. Voilà, merci. Du coup... Là-bas, un truc de télégraphe. Une tour de guet. Le gardien, la clé par là. On peut passer par derrière, visiblement. Podívám se, co tam je, jako by se stalo. On peut passer sur ce sympathique petit truc gelé. Je pense que sans doute que oui. Vaše rozkazy, pane. Je suis en pause, mais personne ne bouge, c'est étrange. Est-ce qu'on pourrait pas se les faire, ceux-là, comme ça, c'est zéro. Ouais, ils ont entendu des trucs là, non, j'ai cru entendre, mais non, ça a l'air d'aller. Cachez-vous. Hop, voilà. ça a pas l'air de trop bouger. Ça en fait deux de moins déjà. On y va plus au couteau, vous remarquerez. Alors ça c'est quoi, le petit dessus? Poslouchám, pane. Et un mec le cherchait. Ano, pane. Samozřejmě. Vidím nepřítele. Mais on voit des gens parce que à chaque fois ça patrouille là. Fusil de milice, arme rouge, mitrailleuse lourde. Là aussi. Poslouchám, pane. Ça va quand même pas être une partie de plaisir si on doit attaquer ce truc. Ok, ici il y a un mec qui patrouille, ils étaient deux je crois. Hein. On en a voir vu deux tout à l'heure. Ouais, là-bas, il est là-bas. C'est du fusillé, c'est du milicien à con. Go. Allons nous infiltrer. Ah putain. C'est le bête. Oui les gars. Cachez-vous, toi ici. Ok, ça passe. Ouf, to bylo o fous.
Un nouveau coup de l'avion, tiens. Ano? Peut-être se le faire au couteau quand même, lui. Rozumiem. Il sort de là. Ah, il y a l'autre qui le voit. On est caché. Ah putain. Vas-y, éloigne-toi. Czekam na rozkazy. Widzi mnie, przyjaciela. Rozumiem. Ja by poklęł. Są tu. Alors, lui se retourne, lui se retourne. On va mettre un petit coup de couteau. Какого черта? Il a entendu? Non, personne n'a entendu. On lui s'est retourné au dernier moment, mais il n'a rien vu. Le gardien, visiblement, c'est lui. Ok, tout le monde avancé. J'imagine que l'avion va sans doute pas tarder à repasser. Putain, et au niveau 5, ils vont tellement vite, quoi. Mode silencieux, on ne réduit pas la vitesse de déplacement. Ah oui, c'est pour ça, ouais. Tout de suite, c'est sûr, ça change la donne, quoi. Alors attention, on va pas faire n'importe quoi, il y a du télégramme ici. Hein. Faut quand même qu'on... On y aille un petit peu subtilement, on va dire. Même si ça reste relatif. Jetons un œil. Ok, un mec ici, un mec là. Planqué derrière la petite maisonnette. Un type ici juste à côté, mais techniquement on pourra s'occuper de ces deux-là. Personne ne verrait rien. A priori. On va progresser jusque-là. Pour être occupé du milicien. On garde des jumelles là, j'aimerais bien en avoir aussi ici pour vraiment bien voir tout ce qui se passe. Là on en est où? Ouais, lui il est couvert. C'est pas mal que t'ailles t'en occuper. Vas-y, replie-toi, toi aussi. Alors, comment on va gérer ça? Ils sont vraiment pas assez nombreux pour se faire chier avec une frappe d'artillerie, je pense. Ils sont très éloignés. Il y a que 3 mecs qui se battent en duel. Il y avait un mitrailleur, 4. Ok, ils sont 4. Ça me paraît franchement pas insurmontable à gérer. Juste qu'on les empêche d'utiliser ça. Alors comment on peut faire au mieux? Il y en a un a priori qui vient jusqu'ici, donc on pourrait se faire. Après, eux, ils nous tournent le dos. Donc ce serait juste une histoire de s'infiltrer à 4 pour aller nettoyer ça. Podľa rozkazu. Kto zdesť? Pokažiť. Et qui nous a vu. Allez par là. Ano. Il faut avoir des jumelles pour voir ce qui se passe. Vaše plány, pane? Toi. Tu te mets là et tu te prépares à lui mettre un petit coup de couteau dès qu'il passe. Ah putain, ils nous ont vu. Il a capté. Ok, alors du coup, changement de plan. En même temps, on s'est vraiment pointé en face de lui, ça peut s'expliquer. Changement de plan. Toi. Défonce-le. Ici, on court là. On va courir ici. On court ici. On court ici. Vous, je veux ici. Pour pouvoir sniper ce qui passe. Là, c'est bon, c'est géré. Le soldat, il a... Le soigneur, il a pris un peu cher. Il y a des mondes qui arrivent. En position. Là, on va couvrir l'entrée, c'est parfait.
Rozkládám. Připravenější už nebudu. On couvre. Podívám se, co tam je. Jako by se ici stalo. Ici c'est clean. Postarám se o to, pane. Ici c'est clean. Ici, il y a du monde, mais ils nous ont pas entendu. Ok, parfait. Cette tour là. Est-ce qu'on envoie quelqu'un la chercher carrément? On va ranger toi. Toi, tu y vas. Notre médecin, il va aller teaser ce truc. Ils n'ont pas réussi à activer le télégramme, c'est tout ce qu'il faut. Oh. C'est quoi ça? Un civil. Čekám na rozkazy. Ano, pane! Mec, t'es juste là pour faire joli? Bon. Désolé, mais j'avais pas vraiment moyen de lui dire barre-toi. Ano? Visiblement, en tout cas. Počúvam. Poslouchám. Nepřítel! Ah ouais, y a quand même, c'est sacrément vénère hein, comme zone. Připraven. Ok, viens chercher ça. Ano. Toi, tu recules. Vaše rozkazy. Techniquement, ils sont quand même capables de bien nous allumer si jamais ils ont envie d'attaquer notre notre petite zone là. Som tu. Toi, là. Hledám kryt. Et là, du coup, il y a deux personnes. Un fusillé et un officier. Très bien. Tu te sauvegardes et on active ça. Il y a une autre tour de guerre là, du coup. Děkuji vám, legionáři. V okolních lesích se schovávají další moje vojáci. Pojďme je najít společně. Poslouchám. Připraven. Très bien, bah faisons ça. On va virer ça, je vais pas démonter ça, on va le démonter. Ça coûte pas cher et au moins il risque pas d'appeler du monde avec. Podívám se. Jsem na cestě, pane. Alors. A priori, faut qu'on fouille Už par là-bas. Ok. Et on a un officier qui fait un de particulier et un fusilier qui fait un de particulier. Effectivement, c'est du piou-piou. Il avait raison. On est nombreux pour avancer discrètement par contre. Alors, on peut pas aller par là, donc il faut qu'on suive la route. Allons-y. J'espère que les autres là vont pas se mettre dans tête de commencer à nous balancer de la. Des obus sur la tronche. Non, il est pas opéré, ça va. On devrait le voir venir relativement. Allez, on va par là. Vidím nepřítele. Des ennemis. En position. Tohle místo bude stačit. Vaše rozkazy? Pak měním pozici. Kažecia, jaž toto viděl. Vaše rozkazy? Vrak! Rozkazy, pane? Hej, fu. Ano? Alors, est-ce que ça bouge? On dirait pas. Pane! Jsem na cestě. On progresse. Na pozici. Rozumím. T'es pas caché toi, tu vas trop vite, non? Ah non, t'es vrai que t'es un fantôme toi aussi. Le mitrailleur fantôme quoi. Ça c'est pas la classe. Ah, on a. Už můžeš vylézt. Dovedeme tě do bezpečí. Poslouchám, pane. Alors, par contre, on a vu du monde. Deux mecs comme ça, c'est la porte ouverte au snipe. Allez-y. Voilà. Fait. Partir à droite par exemple, hein, quitte à revenir par là après. Oula. Nejspíš bychom měli Karkulce s těmi zlými vlky trochu pomoct.
Ano, pane, provedu. Vidím les molosses de l'enfer, bah, ça va quand même. Les pauvres. Utočím. On va tellement les défoncer. Vidím nepřítele. Ten les, ten zatracený les. Rudi, vlci, zima. Všechno se mě snaží zabít. Jdu do krytu. Ah, il a pété un plomb. Reviens. Už jdu. Ještě, že jsme tě našli živého. Pojď, porazíme Rudé společně. Tu veux pas? Ano? Bon, visiblement lui, il est en mode... Ah si, ça y est. Ah putain, oui, il y a carrément plein de monde là. Ty rudí pídáci většinu z nás umučili. Je čas donutit je za to zaplatit. Nedaleko odsud jsme mývali dělostřeleckou pozici. Musíme ji znovu obsadit a napadnout díky ní ten rudý tabor. Ouais, là, il y a un beau tir d'artillerie à faire, là. Ok, pourquoi pas, faisons ça. Ah non, pane. En avant. Maintenant qu'on a plein de monde, tellement de monde qu'on peut même pas les mettre derrière des couvertures. Vidím nepriateľa. Rozumím. Ah, c'est la merde la forêt, hein. Il y a des loups partout, hein. Même pour les méchants. Par contre, c'est relou, là. Ils vont où? On les allume en espérant qu'on fasse pas trop de bruit pour eux, là. Recache. On va envoyer un mec rapide. C'est-à-dire toi, cherche la vodka. On croit jamais sur de la vodka. Et donc, ici, à quoi ça ressemble? Alors si je balance une frappe d'artillerie pour faire péter ça, j'imagine que ça ne marche pas. En toute logique. On va se mettre jusqu'ici, on devrait avoir ce qu'il faut. Donc en gros, est-ce qu'il y a moyen éventuellement de les choper de dos à un moment? C'est ça qui va être important. Si on peut se placer genre là, on les allume. Pas trop de questions. Ah non, pané. Arrête. Il y a lui qui fait demi-tour malheureusement. Ah, il change assez régulièrement de... De sens, ok, là, on peut y aller. Sortez de votre vitesse lente là. Alors. Toi, t'es pas encore en position, c'est toi qui es en position. Prépare-toi. T'es peut-être un peu prématuré ça. Vous. Vous tous là, venez ici. Toi, mets là. Pareil, tu déploies ta mitrailleuse. C'est fait. Ano. Hop, hop. Povídejte. Dobře, jdu tam. Alors, on va prendre deux piou-piou. On va les mettre dedans. Vous voulez pas? Ano? Ah putain, ils sont carrément à l'arrière en fait. D'accord, ils sont pas venus. Je pensais que j'avais fait un contrôle A, mais non. Ah non, ils sont coincés. Ok, ils ont un bug de pathfinding, semblerait-il. Pas de problème, pas de problème. On y va, on y va. Attends, on va prendre quelqu'un d'autre, du coup. Genre toi. Ah, on s'en craque. Toi, vas-y. Toi, ramasse-nous ça. Když zničíme dělostřelectvo a ten tank, budeme mít v nadcházejícím útoku výhodu. Bien joué. Tomu hovorím poriadna mašina. Le fameux gros char. Sacré portée avec notre petite artillerie là. Ok, et du coup, ils sortent du bois.
Dám signál svým jednotkám. Tady se rozdělíme, ale zaútočíme společně. Bůh vás ochraňuj, legionáři. Sejdeme se po bitvě, jako vítězové. Très bien, écoute, c'est fantastique. Je ne sais pas si lâcher cette artillerie tout de suite était une bonne idée, mais go. Go, go, fais ça. Ah bah ouais, tu m'étonnes que l'ennemi a sonné l'alerte là. Allez, on va balancer une patate là-dedans. Ah zut, on est trop loin. Ah, les salauds, on est vraiment juste en dehors de la portée, ok. C'était juste histoire de dire qu'on pouvait le faire tout à l'heure avec, quand tu as attaqué le truc hyper loin. Ok, des gens nous attaquent de flanc. Parfait, planquez-vous. Planquez-vous, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Toi tu te planques. Toi tu déploies ta mitrailleuse, non. Toi tu déploies ta mitrailleuse parce qu'il y a l'air d'avoir quand même du monde là. Pareil pour toi, je vais me couvrir ces petits rochers là. Bon, c'est eux compris, très bien. J'allais dire, on boit un coup avant de lancer l'assaut. Et c'est parti trop vite. Allez, c'est parti. On va y aller à l'ancienne ici. On va utiliser quelques obus, mais il faut que ça avance. Alors là, ils attendent leurs potes, c'est ça? Ils attendent longtemps, du coup. On a bien tout le monde, hein. Ouais, on a tout le monde. Ici, ils se sont fait nettoyer, sans surprise. Et là, c'est genre l'assaut frontal... D'accord, très bien. Comme ça, à la fraîche. Allons capturer ça. J'ai l'impression que eux du coup ils se sont fait intercepter, si ça y est, ils reprennent le groupe là. Alors on a vu du monde, oui forcément on a activé la tourelle, ok, il y a un type là-bas sur un petit truc. On va se le faire, je pense qu'il y a moyen. En arrière. Ouais, t'as essayé de charger, t'as l'air malin maintenant. Alors du coup, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ici, c'est le Megadrame. Ça serait tellement bon une frappe d'artillerie là, mais bon, pour l'instant on va laisser eux charger. On a moyen de faire le tour, on a moyen d'aller jusque là. Si on peut mettre un petit coup de jumelle vite fait. Ouais, on peut vraiment arriver par derrière. Ce qui serait pas forcément déconnant. On arrivera peut-être un peu tard malheureusement. Donc pour l'instant... Parce que le problème là c'est que... Ils ont la position défensive. Hein. Clairement ils ont la position défensive quoi. Est-ce qu'on peut descendre là? Ah putain ouais non, on peut pas descendre, non, c'est bon, demi-tour. C'est de la merde cette idée, faites le tour. Parce que là du coup on ne peut arriver que par là. Autant dire que c'est la merde. C'est vraiment la merde. On n'a pas de couverture. Alors déjà ils ont plus leur canon, c'est toujours ça, mais... Zéro couverture, ça me plaît pas, et c'est... J'ai pas le temps de faire le tour, ils vont être décédés. Totalement décédés le temps qu'on arrive. Donc, tant pis, va falloir micromanager. On va poser les fusils là, grenadier là, un mitrailleur là, un sniper ici, le sonneur là, l'autre mitrailleur là. Allez, go. En position, on déploie. Ici, si on peut empêcher des gens de prendre les tranchées, c'est pas plus mal. Là, on déploie ici. Ouais, par là. Allez, avancez un peu les fusillés. On a l'artillerie. Défoncez-moi ça. Avant qu'ils tirent.
Tang. Vaše plány, pane? Je vais siffler aux oreilles là. Voilà, ça calme. Čekám na rozkazy. Vidím ho. Donc ouais, là du coup on peut se mettre en position ici. Allez-y. Hop, position inversée. On va démonter les mitrailleuses. Donc toi t'as pris un peu cher, toi tu t'en sors. Ah non. Připraven. To by šlo. Tu es en train de démonter déjà. Non, tu démontes pas. Non, c'est toi. Ici on va les envoyer là. Ah non. Ils sont en train de charger là, je peux lancer une petite grenade. Ils sont en train de charger, merde. Non. Arrête ta grenade. Allez con. Cassez-vous. Oh merde. Ok, ce flanc là c'est géré, très bien. On ramasse le loot. Ils vont pas se reposer sur leur laurier hein, bien sûr. Là ils ont réussi à repousser l'assaut semblerait-il, en même temps ils avaient des mitrailleuses. Donc il faut qu'on se place pour éviter une contre-attaque qui pourrait venir de plein d'endroits, de voies de partout en fait, il y a un char ici. Ok, on va se placer là. Un peu en arrière. Les mecs ils chargent, rien à foutre. Il nous faudrait un petit peu de soin là. Au moins là-dessus. Ah les mecs, vous êtes sérieux, vous voulez charger face au tank là? Vous avez pas l'impression d'abuser un peu? Alors certes on a éliminé le char lourd mais... L'autre il donne pas envie non plus quoi. Bejte na poplach! Bejte na poplach! Sakra! Připravte se na boj! Ah bah oui, ouais. Préparez-vous au combat. Zaujímam pozici! On peut utiliser ce terme. Nepřítel spustil poplach. Alors, il faut qu'on continue de se soigner. Toi, viens là, soigne-lui. Non mais il n'y a plus personne là, c'est fini. Ils se sont fait défoncer. Ok, alors je sais pas s'il y avait un succès pour éviter qu'ils ne meurent tous, mais ça me paraît complexe. Hein. On va y aller un peu plus subtil, je propose. On va garder l'artillerie pour les besoins. Vraiment, on en aurait besoin. Attends, on a tellement laissé plein de loot derrière, quoi. Du poisson ici, là, il y a plein de trucs. Alors ça, c'est quoi? Une auto ici. Et là, l'obusier. On va peut-être aller chercher l'auto. Puis on peut envoyer toi et toi. Non, il faut être trois dans l'auto, c'est vrai. Ok, on va prendre cela. Là, on va rester planqué en attendant. Que toi, toi. Parce qu'ils sont en train de, ils sont en train de revenir les enfoirés. En courant en plus. Ok, planquez-vous là, on va observer. On a laissé la voiture passer, c'est pas grave. On observe ce que font ces rigolos. Ça, cassez-vous. Alors lui, dans l'idéal, j'essaierai de le grenader, si on peut, plutôt que le gérer. Ils ne laisseront jamais passer là, c'est mort. Et lui qui fait je ne sais quoi dans la neige là. On est à portée là. On est à portée. Et lui qui nous emmerde. Mais il est couvert par ses copains, j'imagine. Ouais, pas tant en vrai. Il y a le char là qui couvre l'entrée. Vas-y, mets-lui un petit coup de baïonnette dans les fesses. Replie-toi. Et vous, du coup. Oh putain, il y a d'autres mecs ici, du coup. J'ai raté cette voiture alors que pourtant je suis passé tout près, mais peut-être qu'elle était pas là et peut-être que les mecs se sont libérés après, un truc du style. Oh
Ok. On va peut-être pas non plus y passer 100 ans. Hein. Allez, c'est parti. On ouvre. Bejte na poplach! Bejte na poplach! Sakra! Připravte se na boj. Cache-toi, toi. Voilà, c'est caché. C'est clair que dans l'idéal, j'aurais aimé pouvoir poser une petite mine ici, hein, mais on peut pas tout avoir. Vous marchez dessus, là. Ah, on est en train d'essayer de nous tirer dessus. Ok, il faut balancer une grenade, là. Ici, vous m'allumez ça. Là, tout le monde sort de la cachette, là. Putain, il s'est fait défoncer. Non, notre grenadier Duzan s'est fait défoncer, c'est pas possible. On recharge. En avant. Complexe, complexe, l'affaire, là. Et on n'a même pas encore commencé à sortir de la ville du début du chapitre. Pas de stress. Donc les autres plots qui chargent en ligne droite, là. Tous les coups, la bagnole qui est là-bas, c'est celle qui c'était la leur qu'ils ont dû abandonner à un moment. Pour courir, parce que pourquoi pas courir, hein, après tout. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est deux... Ce serait poser une mine par là. Et après, on le grenade la tronche. Vas-y, toi, viens par là. Alors, notre grenadier. Vas-y, mine cette zone. Gentil. Là, une petite vision. Comme ça, on va maximiser le lancer de grenade. Hop. En même temps, ils ont une tellement belle portée nos grenades maintenant. Allez, on se fait deux mecs plus le char. Sérieux, ça leur a rien fait. Merde. Ça, c'est pas cool. Vaše rozkazy, pane? Rozkazy? Vidím ho. Par contre là, il faut se recacher. Parce que le tank va nous voir sinon. On est en train d'aligner son tir. Bouge-toi toi. Ah bordel. Ok, lui il est à terre. Il est secoué, lui il est secoué. Lui ça va. Non, faut vous cacher là, j'ai dit. Bon, il est en train de préparer un deuxième tir, c'est mort. C'est mort. Je ne comprends pas pourquoi ma grenade n'a pas tué les deux guignols. C'est ça qui nous a mis dans la merde. Je pense que la stratégie était bonne sinon. Après, c'est vrai qu'on a aucune planque. Hein. C'est vraiment. L'assaut du camp en mode YOLO quoi. Alors, on a dit, toi faut que tu te caches, je sais pas ce que tu fous à faire n'importe quoi. On tue celui-là. Là, on va aller poser tout de suite la petite mine. Ici. Et pourquoi tu ne le fais pas, je ne sais pas. Mais tu vas le faire. S'il te plaît. Vas-y, retourne te planquer. Bon, la sonnette, il n'y a pas grand chose qu'on puisse y faire. Hein. Ça va sonner de toute façon. Il y a trop de monde, un peu partout. On peut essayer de s'infiltrer, mais non, le char surveille cette zone. On ne peut
pas essayer de s'infiltrer. Alors peut-être que le char les a protégés, donc on va vraiment l'acheter en plein dans leurs jambes. Oh, ça les tue pas, hein, c'est ouf. Hein. Bon, on va faire avec le bug, c'est pas grave. Là, faut que tu te caches, vite. Parfait, juste attends. On va pas tirer sur celui-là. On va attendre que le char se pointe et fasse péter la mine. Oh, il fait péter la mine. Oh, la loose. Bon, du coup, il fait demi-tour, c'est le bon plan. Par contre, là... Ouais, non, là, ça va pas. Okay, là, tout le monde sort de sa cachette. Il faut m'allumer ces mecs. Pareil pour toi, là. Tire là-dessus. Les renforts derrière. Faites-vous ça. Nous voilà. Ah putain, il nous voit. Cours. Vous shootez ça. Ok. Alors là, il va pouvoir bientôt nous aligner ici. On recule. Attends, on peut lui tirer dessus. Bon. Est-ce qu'on l'a tué? C'est pas dit. J'ai l'impression qu'il y a une fumée, mais c'est pas dit. Une vision. Excellent, on se l'est fait. Ça, c'est une bonne chose de fait. Je pense qu'on se servira d'un truc d'artillerie pour allumer ici. Il y a un autre nid de mitrailleuse là également. Mais du coup, là, on peut aller chercher la bagnole. Donc, vous... Allez-y, en avant. Au passage, on prend le loot parce qu'on n'est pas des bêtes. Une petite grenade de plus nous fera certainement pas de mal en plus. Alors, on a oublié là-bas un poisson grillé. Certainement d'un mec qu'on a tué. Bon, attendez, on va faire ça intelligemment. Vous avez par là. Toi, t'es plus rapide. Ça, t'as l'agilité. Tu vas jusqu'ici chercher ce truc. Je pense qu'il a dû se faire tuer par des loups, parce que je vois pas ce qui a pu le tuer. Je pense pas qu'on soit passé par là. Mais bon, ce sera dommage de laisser un poisson grillé au loup, quand même. Faut avouer. Rozumim. Bon, on les a quand même déjà pas mal entamés. Hein. Donc l'artillerie du coup, on a dit qu'elle ne nous sert plus à rien. Ah non. Donc vous... Je ne sais pas ce que c'est que ce véhicule qui traîne, mais on va s'en servir. On va débarquer à l'arrière du campement avec ça. Là. Et je pense que ça va être très très bien. Donc il n'y a plus le char. C'est par où? C'est pas par là. C'est par ici. Voilà. Par là. Dans un premier temps, on va essayer de les prendre de dos, si on peut. Ok, on est prêt. On sort de notre cachette. En avant. Ah, sérieux, elle peut pouvoir passer à cause du cadavre de tank. Ce serait tellement abusé. On est coincé. Bah du coup, est-ce qu'on peut passer par là? Ah, même pas sûr, il y a des trucs ici. Oula. Coucou. Posloucham. Moudra volba. Ano? Derrière. On va se préparer à les accueillir. Là, on monte la mitrailleuse. Le grenadier, faut se le faire. Excellent.
a deux mitrailleurs là, c'est pas cool ça. Trouver un bon angle. Voilà, c'est bon, on se replie, on recule. Lui, il s'est fait allumer. Notre voiture est mi-life. Hein. Bon, j'avoue, le temps qu'on tue pile dans l'entrée, c'est quand même pas de bol. Pas se mentir, mais bon. Toi, désactive-nous ça comme ça, c'est fait. Et on va lancer une petite compagnie devant, là, pour shooter le mitrailleur de par-dessus. Ça devrait le calmer. Ok, il reste plus grand monde. Mine de rien. Ah, il y a carrément des casemates et tout. Là. Il a pu se mettre en tir ici. Vas-y, fais chercher un peu de loot. Il y a lui à gérer, mais à la rigueur, on va pouvoir se le faire. On va juste se mettre en mode discret, histoire de pas tirer dessus sans faire exprès. Hein. On sait que ça peut arriver et que c'est un peu con. Parfait. Ah non. Parfait. Allons plutôt par là. Alors là, on va démonter la mitrailleuse. Ramasser les trousses de secours qui sont là. Ah non. J'aurais presque voulu tester le tank, franchement, voir ce que ça donne. On va aller se placer par là-bas après, je pense, ce serait bien. Oh, il y a encore mieux, il y a un truc là. Non, il est détruit. Il est détruit celui-là. Vas-y, ramasse le loot. Alors, du coup, est-ce qu'on peut rentrer d'une manière ou d'une autre avec cette voiture? Allez, ah, ça passe. Ok. Ça passe, en insistant un peu. Là, il y a un truc de soin. On n'a pas besoin pour le moment. Rozumím. Rozkazy? Jdu do krytu. Ne pas apporté, là. Quasiment, hein. Přede mnou se neschováš, hochu. Poslouchám. Si je le mets là, peut-être. Pane, musím se někam schovat. Là, il est où? Podívám se. Poslouchám, pane. Přede mnou se neschováš, hochu. Jdu do krytu. On n'a pas la vision. Juste la portée, mais on n'a pas la vision. Zaujímám pozici. Rozkládám. Čekám. Bah, écoutez, on va utiliser notre petite voiture pour ouvrir, hein? Rozkazy. Qui sommes-nous pour juger? Ah merde, j'ai oublié de le sortir lui de sa cachette. Oui, sortez de votre cachette. Postaram se o to. Parfait, on démonte, on va aller s'occuper de lui, visiblement. On ne sait pas trop quoi faire puisque on est trop loin. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va partir du principe qu'on va sans doute avoir un genre de contre-attaque. Donc on va commencer à prendre le truc, donc on va se placer en position. Toi tu viens là, toi tu viens ici. Vas-y, déploie-toi par là, par exemple. La voiture va couvrir ce flanc, et c'est une vision un peu merdique, ça serait possible de lui mettre un petit éclaireur pour qu'il voit quelque chose. Voilà, parfait. Et ici, on capture. Il n'y a pas grand monde restant pour nous attaquer, mais dans le doute. Bon, par contre, le faire en sauvant les pélos là, de l'IA, ça me paraît carrément tandax. Hein. Ovládli jsme rudý tábor. Zbytky rudé armády se stahují. Ils battent en retraite. Dobrá práce. Vypadneme odsud. Všichni potřebujeme teplé jídlo a pořádný spánek. Il reste plus personne, d'aucun côté quoi. On prend le campement, et après on s'arrache, tout le monde est mort.
Il reste plus personne pour en profiter. Alors la voiture, on est à 8 sur 8, c'est parti, en avant. Salut la compagnie. Alors les médailles. David, t'as bien mérité une petite médaille. Et Stephen K aussi. Et Alfred. Alors, on a dépensé. Ouais, on a. Oh là là, on va être tellement rempli. Mais tellement rempli. Alors qu'ils reviennent de la bataille, vos soldats semblent nerveux. Vous comprenez que c'est à cause des troupes de l'armée blanche qui flânent à côté de votre train, frappant sur son blindage en acier. Leur comportement ne vous inspire pas confiance. Ils se dispersent à votre approche et votre escouade monte rapidement à bord. Vous et votre conseiller les appelez pour entendre leur rapport après action. Le reste de la Légion va qu'à ses occupations, les sentinelles rejoignent leur poste. Vous avez remporté la bataille, mais l'ambiance est toujours chargée d'un sentiment de danger et d'appréhension. Soudain, vous entendez le son des freins qui se desserrent. Le train avance brutalement. Il part, mais vous n'avez jamais donné cet ordre. Vous ouvrez une trappe de tir, regardez à l'extérieur, les blancs sont de retour sur le quai, fusil levé. Major, on nous attaque! Une salve de tir violente s'abat sur le train comme de la grêle. Vous donnez l'ordre de sceller les trappes de tir. Votre conseiller relaie votre ordre en criant au wagon adjacent. Fermez tout! En avant! Les balles ricochent sur votre train dans un crescendo assourdissant. Alors qu'il prend de la vitesse, le Vergame s'apaise peu à peu jusqu'à ne laisser que le silence. Votre conseiller pousse un soupir de soulagement avant de secouer la tête. Je craignais que ça n'arrive. On nous a trahis et tout ça pourquoi? Vous nous êtes battus à leur côté? Le bien est toujours puni. C'était un choix délibéré de leur commandant, j'en suis certain. Ouf. Gros coup au moral, là. Sa voix se change en murmure incrédule. Où qu'on aille, Major, c'est toujours la même chose. Ce ne sont que des imbéciles qui font ce qu'on leur dit. Ils essaient de nous tuer, tout ça parce qu'un plus gros imbécile nous prend pour une menace. Capitaine, Vladivostok n'est pas loin, concentrons-nous sur notre retour. Il s'arrête et tape des panneaux qui ont volé en éclats, touchés par des tirs avant que le wagon ne soit entièrement fermé. C'est le seul choix sensé qu'il nous reste, n'est-ce pas? Je devrais aller voir s'il y a des victimes, si vous le permettez, Major. Vous inclinez la tête et votre conseiller prend congé. Il enlève sa ceinture instinctivement au cas où on aurait besoin d'un garrot. Vous réalisez que son pessimisme n'a d'égal que son côté pragmatique, c'est une qualité que vous ne pouvez qu'admirer. Bah j'avoue, c'est quand même pas cool. Du coup, on a des gens à soigner, malheureusement. Hop, 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 hop. Que 4, ça va. Ils vont se remettre. On est passé à moins 4 de température. Bougeons bien. On va enlever la peau, ça va partir en couille. Donc on va activer tout de suite les petits trucs ici. Il y a des gens qui bossent. Si c'est un wagon d'infanterie, le wagon cuisine, on allume, là on allume, là on s'en fout, là on allume, et là on allume. Ok. Très très bien. Les cuisiniers ne font plus rien. On va faire une petite salade de crudité et des œufs brouillés, c'est parti. Et il faudrait qu'on s'arrête. Alors on n'est pas plein. On peut rouler. Donc je pense qu'on va rouler comme prévu jusqu'ici. On va faire les passages de niveau. Adjudant pour Stephen K. Et sergent-major pour David. Et il passe également level 5 de fusilier. Parfait, on va voir ce qu'on peut lui faire. On va monter un peu la dextérité. Alors attendez, avant, on va regarder. On pourra le transformer en mitrailleur, en éclaireur. Et en termes d'autres rôles, là, il a juste ouvrier. Deux. Si on voulait monter en cuisinier, il faudrait du charisme. En grenadier, il faudrait de l'intelligence. En ingénieur, il faudrait de l'intelligence. En médecin, beaucoup trop d'intelligence. En secouriste, de l'intelligence. On pourrait même lui mettre un point d'intelligence, du coup. On pourrait en faire un secouriste, ça changerait un peu. Ouais, allez, un petit médecin. Rejoins-nous en tant que secouriste. Et ici, un rôle amélioré pour Klaus, qui devient mitrailleur level 3. Excellent. C'est parti, en route. On va rouler. Là, on s'arrête. On va envoyer notre petite escouade
Comme ceci, toi t'as gagné un niveau d'ouvrier, très bien. Yann, autre Yann. Et on va regarder un peu. Alors j'ai l'impression que nos wagons ont souffert de l'attaque. Ouais, carrément, ils ont carrément souffert de l'attaque, quoi. Ah, c'est parti. Là, c'est pas la peine. Là, oui. Là, oui. Là, oui. Heureusement que je les avais gardés dans un état à peu près potable. Hein. La vie de locomotive, c'est seulement 10, quoi. Qu'on restaure. Et là, c'est seulement 8%. Ok, très bien. Et ben, on a pile poil de quoi foutre deux personnes dans tout le train à réparer le train. Go. Pendant qu'eux vont en expédition. Alors, ils vont skyer à mort, hein, mais... c'est comme ça. Il y en a d'autres qui ont froid. Ah, on est passé à moins 5 froid polaire. Donc, moins 5, on peut pas faire mieux. Hein. Je pense qu'on est au max. Hein. On a l'isolation au max. Le chauffage au max. Donc là, quand c'est polaire, on est obligé de prendre. Donc... comme je disais, si ça descend trop, eh ben on va voir comment ça se passe. Donc on va voir comment ça se passe. Et ils sont ressentis moins 3 là. C'est pas eux. C'est eux. Tac. Allez-y, explorez-moi ça. Du coup on va raison de plus moins sortir du train. Ok, on a un malade. Joseph qui est à moins 3. On s'y attendait un peu. Alors, nous avons parcouru les environs et trouvé pas mal de choses cette fois. Le rapport est interrompu par la brusque et voluante quinte de toux du soldat. Ça veut dire qu'à l'instant, mais la scène est terrible à voir. Les convulsions, les allaitements désespérés, les ongles qui grattent le sol. Ah, carrément. Lorsque le soldat tremblant relève enfin la tête, vous remarquez les crachats sanglants sur ses mains et la terreur dans ses yeux. Vous savez tous les deux ce que ça signifie. La tuberculose, incurable, mortelle, contagieuse. S'il vous plaît, Major, je peux encore aider. Je peux encore me battre, je ferai tout s'il vous plaît, je veux rentrer chez moi, ne me laissez pas ici, ne me laissez pas dans cet enfer. Vous sentez le désespoir dans son plaidoyer, c'est compréhensible, quel destin terrible que d'être abandonné dans un pays étranger et hostile pourrait connaître une mort lente et douloureuse. Et si on devrait, je reste ici, tous les passagers du train risquent d'être infectés et pourraient mourir d'ici quelques années. Oh là 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 là, le truc infernal. Nous allons gérer cela, d'une manière ou d'une autre. Le succès, vous avez gardé le soldat tuberculé à bord du train. Vous tentez de justifier votre décision, vous avez besoin de toutes les forces possibles, cependant, le nœud dans votre poitrine révèle une autre vérité. C'était pas la bonne décision et vous n'aviez tout simplement pas le cœur de laisser l'un des vôtres derrière vous. Mais aucune des options ne semblait juste, quel était le moindre mal. Ça s'appelle quand on sait où chercher, donc je pense que peut-être on va pouvoir faire quelque chose. Tout cela restera strictement confidentiel. Dans ce temps, vous avez complètement oublié le rapport, mais André, je vous fais parvenir plus tard une note énumérant tout ce que le bout a trouvé. L'expédition a été riche en trouvailles. Ah oui. Effectivement. C'est la merde. Et du coup, il n'apparaît même pas comme étant possiblement soignable. Ah mais il faut qu'il rentre, il doit être toujours... toujours là-bas. Malheureusement. Joseph qui devient sous-lieutenant... Alors toi, on va peut-être pouvoir te débloquer des trucs. Ingénieur. Deviens ingénieur, Joseph. Déjà, je pense que c'est mérité. Et fusillé pour Joseph. Allez, allons-y. Du coup, on va monter sa dextérité. Ouais, il faut que vous rentriez. Donc on va vous faire rentrer. Bah déjà, vous êtes en train de rentrer de toute façon déjà. Hop. Et là, on va pouvoir les mettre à se soigner. Mais il faut se reposer au wagon avec une température normale. Ce qui veut dire que ça ne va pas avancer, là. Ça ne va pas se régler tant qu'il fera moins 5. Bon, je pense que ça doit être plus ou moins scripté de stopper un tuberculeux quand on passe à moins 5. Cela étant dit, on va arrêter l'épisode là parce qu'il est largement assez long. C'était compliqué et bah, comme je disais, à part moi que ça parte complètement en couille, on va s'en tirer, et ben il y a du potentiel de partage complètement en couille. J'espère du coup que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.